Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 8 juin 2021, 8h17 du Québec. J'espère que vous allez bien. Les choses se bousculent. On a énormément d'informations du côté des grandes agences de renseignement américaines, autant qu'ailleurs. Je parle souvent plus des États-Unis parce que moi, je vis en Amérique et je suis plus près de ce qui se passe ici et de l'information qui se passe ici. Vous êtes en Europe, sûrement vous avez des informations qui vous proviennent de vos agences de renseignement, de vos sources à vous. Et c'est fascinant, on est à une époque extraordinaire au niveau de percée peut-être, de dévoilement, d'autres choses. Qui sait? Moi j'ai comme conviction qu'on est des voyageurs de l'espace nous-mêmes. Toutes les théories sont valables jusqu'à preuve du contraire. Plusieurs personnes ont la foi en la création du monde par un Dieu puissant, ça, il faut respecter ça aussi, avec des récits et des histoires abracadabrantes, hein? Ceux qui ont lu les livres anciens, l'Ancien Testament, le Nouveau, le Coran et plein d'autres livres religieux de différentes sources, se rendent compte qu'il y a plein de récits aussi fantastiques, récits qui demandent à l'imagination d'être très ouverte. Et c'est correct, il faut avoir la foi en ça. Il y a d'autres théories maintenant qui sont aussi très crédibles et très solides, qui sont aussi soutenues par des gens de la science, qui ont quitté leur science traditionnelle, le cadre de leur science traditionnelle, pour s'en aller dans d'autres avenues. Mais c'est des gens qui ont des bases universitaires et qui sont des scientifiques et qui ont travaillé pour des structures plus conventionnelles et ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin d'aller ailleurs, faire des recherches ailleurs. Et une de ces théories-là, moi, que j'aime beaucoup et dans laquelle j'ai probablement mis plus de mes convictions et non pas ma foi générale, parce que c'est mystérieux la foi, mais dans notre apparition sur Terre, pour l'expliquer, j'ai bien aimé cette théorie-là qui est vraiment solide, qui a été avancée par, prise en charge par Greg Braden, qui serait qu'il y a une centaine de milliers d'années, peut-être, il y aurait eu une fusion entre une expérience menée par des gens beaucoup plus avancés, n'est-ce pas? On parle d'il y a peut-être une centaine de milliers d'années, dans l'apparition de notre espèce à nous. Final, il y aurait eu plusieurs expériences qui ont échoué, parce que quand tu regardes les découvertes archéologiques, il y a différentes espèces d'êtres humains qui ont été trouvés, qu'on catégorise dans différentes catégories, hommes de Cro-Magnon et plein d'autres, Néandertal et ainsi de suite, qu'on a vu dans plusieurs régions du monde et qui n'ont pas prospéré, qui sont disparus, étant pas assez forts, peut-être étant pas l'expérience ayant échoué dans la tentative de ces gens venus d'ailleurs. Et la dernière a bien marché, d'ailleurs, on n'a pas changé depuis ce temps-là, c'est la même constitution qu'on a. Il y a eu juste une évolution de la science, peut-être aidée aussi, toujours... parrainé par ces gens-là, et ce serait notre origine. Fusion et des preuves scientifiques semblent démontrer qu'on a, dans le deuxième, je pense, chromosome, il y a eu comme une fusion qui aurait été faite de façon soudaine et de nature artificielle et non pas naturelle. Donc, il y a ça, mais entre vous et moi, tout est plausible. C'est une question de foi parce qu'il n'y a rien qui peut être prouvé. Dieu ne peut pas être prouvé, la création par Dieu, et toutes les autres théories. Le Big Bang, c'est une autre théorie qui demande beaucoup, 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 et beaucoup de foi aussi. Une explosion à partir de rien, puis vous connaissez l'histoire. Donc, tout est vraiment aléatoire, c'est à vous de faire votre choix. Mais au niveau du phénomène des ovnis qu'on voit d'ailleurs dans la littérature ancienne, rapporté un peu partout de différentes façons, ben maintenant,
ça devient de plus en plus sérieux. Nos gouvernements le prennent de plus en plus sérieux. On sait qu'il y a un rapport qui s'en vient pour les élus américains, qui a été commandé par l'ancienne administration Trump lors du dernier plan de sauvetage. On a inclus ça là-dedans parce que c'est maintenant admis par le Pentagone que ses propres membres de ses forces armées expérimentent quotidiennement des rencontres bizarres. Donc, on veut aller au fond des choses. Maintenant, il y a un nouveau directeur de la NASA qui a pris le contrôle de la NASA et lui aussi prend les ovnis au sérieux. Ça nous est rapporté par CNN Business News le 4 juin, donc il y a quelques jours. Le nouveau chef de la NASA met en place un effort pour étudier plus avant les objets volants non identifiés au cours de son premier mois de mandat. Bill Nelson, l'ancien sénateur de Floride et vétéran des vols spatiaux, a déclaré jeudi à Rachel Crane de CNN Business lors d'une large entrevue qu'il n'était clair pour personne, même dans les échelons supérieurs de l'Agence spatiale américaine, ce que ces objets à grande vitesse, ceux qui ont été observés par des pilotes de la marine, il n'y a personne qui sait ce que c'est. Donc imaginez-vous, c'est quand même extraordinaire. On sait que les États-Unis sont une puissance mondiale, la puissance mondiale, même si la Chine revient hein, de son grand écart et devient une force dominante. Les États-Unis sont quand même la puissance mondiale au niveau de la recherche, de la science, de la technologie. Et que les Américains ne sachent pas ce que c'est, je peux vous dire une chose, c'est pas la Chine, c'est pas la Russie, d'après moi, ça, selon mon opinion, la Russie qui a vécu dans 75 ans de communisme, dans la misère la plus totale, et la Chine aussi qui vient à peine d'émerger hein, de la misère aussi. Je ne pense pas qu'on ait des technologies que les Américains connaîtraient pas. Ça, c'est mon opinion, humble opinion. Mais ça pourrait être possible aussi que ce soit des pays que les Américains appellent ennemis, qui ont des technologies qui viennent espionner ce que les Américains font. Mais ce serait pas, selon moi, très étonnant. Mais enfin, tout est possible. Les commentaires de Nielsen font écho aux conclusions d'un nouveau rapport du Pentagone qui devrait être publié plus tard ce mois-ci. Je vous avais parlé déjà des conclusions. Les conclusions, c'est que c'est comme si tu embrassais ta mère ou ta sœur. Ça ira pas bien, bien, bien loin. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas une autre étape qui va arriver après avoir embrassé ta sœur. Ça s'arrête là. Et c'est exactement ce qui va arriver avec le rapport qu'on va remettre aux sénateurs et aux élus. Tu n'auras pas la réponse claire et précise. On nous dit, puis je vous ai partagé la semaine dernière les conclusions de ce rapport que le New York Times avait réussi à avoir. On n'est pas avancé, on ne sait pas plus ce que c'est et on n'écarte pas la possibilité que ce soit des extraterrestres aussi ou de la technologie extraterrestre. Donc, on est encore à la case départ, puis ça ne vient pas résoudre cette énigme. Nous ne savons pas si c'est extraterrestre. Nous ne savons pas si c'est un ennemi. Nous ne savons pas si c'est un phénomène optique, a déclaré Nielsen. Nous ne pensons pas, et c'est un phénomène, que ce soit un phénomène optique à cause des caractéristiques que ces pilotes de jet de la Navy ont décrites. Et donc, en fin de compte, nous voulons savoir ce que c'est. L'attaché de presse de la NASA, Jackie McGinnis, a déclaré que Nielsen n'avait pas établi de groupe de travail officiel pour commencer à enquêter sur les ovnis. Cependant, il a demandé aux chercheurs d'aller de l'avant en explorant toutes les questions autour du sujet, comme ils l'entendent. Il n'y a pas vraiment beaucoup de données et les scientifiques devraient être libres de suivre ces pistes. Et cela ne devrait pas être stigmatisé, a déclaré McGinnis, reconnaissant que la recherche sur les ovnis peut être associée négativement à des théories du complot infondées. C'est un phénomène vraiment intéressant et les Américains s'y intéressent clairement. Donc, si les scientifiques veulent enquêter, ils devraient le faire librement. Donc, c'est ça qu'on vient d'annoncer. C'est un changement dans l'attitude hein, qu'on a en face et face à ces phénomènes-là. Avant, tu étais stigmatisé, tu passais pour un hurluberlu. Maintenant, on est dans un autre monde complètement et ça va nous amener ailleurs aussi. C'est fascinant. Donc, je vous partage ça, je vous laisse ça dans la boîte de description, puis je vous reviens avec d'autres choses. Il fait très beau et très chaud en ce moment ici, c'est formidable. C'est ce qu'on attend de l'été. Je ne sais pas parmi vous, en Europe comment ça se passe, mais en tout cas ici, pour l'instant, on est gâtés. Je vous reviens.